Chers amis, j'aimerais commencer en vous disant que le Seigneur est bon, il est grand, il est admirable, il est formidable, il est amour. Et il ne cesse de nous donner chaque semaine une nouvelle leçon pour que nous puissions mieux le connaître, mieux l'aimer, plus l'aimer, et aussi obéir, et qu'ainsi notre vie se transforme. Donc c'est avec ces paroles que je vous souhaite la bienvenue à cette semaine d'études. Et que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous aurons comme thème cette semaine planifier pour réussir. Nous aurons comme verset à mémoriser Colossiens 3, verset 23 et 24 qui dit Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci, merci, infiniment merci, parce que vraiment, tu es grand, tu es bon vers nous, tu es un Dieu admirable, et tout ce que tu veux, c'est te révéler à nous, afin que nous puissions mieux te connaître à travers les différentes leçons que tu nous donnes. Alors que la sagesse, l'intelligence nous accompagne pour accepter ta parole, l'étudier, et ainsi, Notre Père, pouvoir être... Transformé par ton Esprit. Alors bénis déjà cette semaine d'études. Garde-nous ta paix et fais le miracle qu'il faut dans nos vies, je te prie en Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, la plupart des gens veulent mener une vie réussie et heureuse. Bien sûr, dans un monde déchu où la tragédie et la calamité peuvent frapper à tout moment, cet objectif n'est pas toujours facile à atteindre. Ensuite. Il y a aussi la question de savoir comment nous définissons le succès. S'il faut parler de la réussite, le cas de Joseph en Égypte serait certainement un bel exemple, n'est-ce pas De la prison au palais, n'est-ce pas merveilleux, ce genre de changement D'autre part, qu'en est-il cependant de Jean-Baptiste De la prison à la tombe. Quel a été le succès de sa vie Encore une fois, tout dépend de la façon dont vous définissez, chers amis, le succès. Les Écritures nous enseignent que nous devons servir le Seigneur dès notre jeunesse, en travaillant de toutes nos forces et avec diligence. De plus, nous devons demander conseil au Seigneur dans tout ce que nous avons l'intention d'accomplir. Lorsque nous demandons conseil au Seigneur, il oriente nos chemins. Et cette orientation divine est importante pour avoir une famille prospère, avec un conjoint sage étant un don de la part du Seigneur. Cependant, même lorsque nous faisons tout ce qui est bien, la foi à la direction divine peut être mise à l'épreuve par des circonstances imprévues, qui ne peuvent pas être expliquées humainement parlant, et qui sont hors de notre contrôle, chers amis. Il faut tenir compte de cette réalité. De tels tests peuvent subvenir par des conflits conjugaux, la perte de biens, ou de la santé et la mort d'être cher. Nous pouvons être reconnaissants que la conduite du Seigneur soit aussi réparatrice pendant et après de telles épreuves. Les difficultés nous enseignent la leçon amère que le succès et le bien-être matériel, bien que souhaitable, peuvent nous être enlevés sans avertissement. Ainsi, d'un point de vue biblique, la richesse et les possessions ne suffisent pas à définir le succès. Le contentement, le fait de servir le Seigneur avec joie et avoir confiance en sa providence sont des trésors beaucoup plus grands. Alléluia. Quand Dieu accorde la prospérité matérielle, il s'attend à être honoré en ce qu'il nous donne. En tant que bénéficiaire de telle largesse, nous devons toujours garder à l'esprit que le véritable succès ne dépend pas des richesses, même pas celles qui sont divinement accordées. Le vrai succès signifie le fait d'être un intendant fidèle, quelles que soient les circonstances que nous traversons dans notre vie. Alléluia. Dans la prospérité, l'adversité, la santé ou la maladie, nous devons être fidèles au Seigneur jusqu'à la mort, afin de pouvoir hériter la couronne de vie à la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Comme chaque semaine, nous aurons à répondre à quelques questions. Exemple, qu'y a-t-il dans le travail qui, idéalement, devrait en faire une bénédiction pour nous Quels principes suivez-vous Non seulement dans le travail, mais aussi dans la vie en général. Quels changements devez-vous apporter à votre vie dans ce domaine Peu importe ce qu'ils font, aucun parent n'a de garantie quant à la direction que prendront leurs enfants. Pourquoi est-il donc important que les parents ne se culpabilisent pas pour les mauvais choix que peuvent faire leurs enfants à l'âge adulte. Comment pouvons-nous prospérer socialement et financièrement sans perdre notre foi en cours de route ou devenir la proie d'un amour pour maman Que l'Esprit du Seigneur prépare nos cœurs quant aux différentes réponses que nous aurons à donner à toutes ces questions qui nous sont posées. Maintenant, je m'en vais. Comme chaque semaine, vous présentez les différents points que nous aurons à voir. Premièrement, la toute première chose. La vie peut être assez dure, nous le savons, même si nous croyons en Dieu et en l'espérance de l'éternité. Imaginez cependant à quel point c'est difficile pour ceux qui n'ont aucun espoir de quoi que ce soit au-delà de l'existence courte et souvent troublée d'ici-bas. Deuxièmement, nous verrons la bénédiction du travail. À moins que vous ne soyez riche de manière indépendante ou bénéficiaire d'un fonds de placement que vos parents ont mis en place pour vous afin que vous n'ayez jamais à travailler un jour de votre vie. Vous aurez tout à besoin de travailler pour gagner votre vie. L'idéal, bien sûr, est de trouver quelque chose qui vous passionne et qui peut vous donner un bon revenu. Vous formez, vous garantir un emploi pour y travailler pendant vos années d'activité. Troisièmement, nous verrons les années de labeur. Comme nous l'avons vu, Dieu a voulu que les humains travaillent d'une manière ou d'une autre. Pour beaucoup de gens, c'est le moment où les enfants sont élevés et éduqués et d'autres achats importants sont acquis. Le stress financier peut ruiner le mariage à ce stade. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, malheureusement aussi. Les familles dans lesquelles les deux parties ont un engagement chrétien et sont disposées à suivre les principes bibliques sont beaucoup plus stables et réussissent à la gloire de Dieu. Quatrièmement, nous verrons travailler avec intégrité. Dans une situation idéale, les parents élèvent leurs enfants pour qu'ils deviennent des adultes indépendants, pour qu'ils soient capables de payer les frais de loyer, satisfaire les besoins de transport, ne pas avoir de dette persistante et avoir une source de revenus suffisante pour subvenir aux besoins de la grande famille. Mais nous verrons que Dieu appelle ses enfants à un niveau de vie et de travail encore plus élevé. Et enfin, cinquièmement, nous verrons chercher des conseils divins. Il existe des dizaines de gourous laïcs de la gestion de l'argent. Mais Dieu nous met en garde contre le fait de les consulter pour la gestion des actifs qu'il nous a confiés. Nous verrons que l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la loi ici c'est toute la parole de Dieu, sera béni, et il prospérera et réussira à la gloire de Dieu. Cette semaine, chers amis, nous examinerons l'idée de succès dans le contexte de l'intendance et des principes financiers. Qui que nous soyons et où que nous vivions, l'argent et les finances feront partie de notre vie que cela nous plaise ou non, chers amis. Quelles sont donc les étapes, les mesures pratiques à prendre en compte, bien que ne garantissant pas le succès, pouvant néanmoins nous aider à éviter les pièges et les erreurs courants qui peuvent rendre la réussite financière un peu plus difficile. Que le Seigneur, dans son amour et sa tendresse, prépare nos cœurs pour une bonne et belle semaine d'études qui servira à notre sanctification. Soyez bénis. Et à très bientôt, chers amis.